Bienvenue dans cette seconde vidéo d'analyse consacrée à la tunique de la Vierge de Guadeloupe. Si vous souhaitez connaître l'histoire de Juan Diego et de sa rencontre avec la Vierge Marie, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui s'affiche. Dans la précédente vidéo, nous avons constaté l'inexplicable durée de vie de la tunique. Comment elle aurait dû se désagréger depuis bien longtemps et comment son existence constitue en elle-même un mystère. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la peinture qui se trouve sur la tunique et aux couleurs qui la composent. Afin de bien comprendre les caractéristiques extraordinaires de cette peinture, commençons par expliquer comment se déroule à l'époque la peinture sur tissu. Il faut dans un premier temps réaliser un apprêt. Un apprêt, c'est une couche de préparation ou un enduit que l'on applique sur un support afin de le rendre propre à recevoir la peinture. Le but est de réduire le pouvoir absorbant du tissu et d'augmenter l'adhérence. Sans cela, les fils du tissu vont apparaître au travers de la peinture, rendant sa représentation plus diffuse. Eh bien, la tunique de Guadeloupe ne possède aucun apprêt. Elle est directement imprimée sur le tissu d'agave. Ceci est déjà une prouesse incroyable. Sans apprêt, le dessin de la Vierge devait être beaucoup moins visible. Les fibres de la tunique auraient dû absorber une partie de la peinture. Au fil des siècles, plusieurs personnalités se sont étonnées de cette prouesse, comme le célèbre peintre mexicain du XVIIIe siècle, Miguel Cabrera. Face aux questions que pose cette tunique, certains voulurent faire des expériences afin de trouver des explications. Par exemple, en 1789, le docteur Bartolacci décide de réaliser des reproductions avec les mêmes conditions de conservation. Il demande à des artistes de peindre sur des tuniques de composition similaire. Le docteur se dit que le type de pigment qui compose la peinture est peut-être la clé du mystère. Aussi, dans les reproductions commandées par le docteur, seront utilisés des pigments minéraux, végétaux et animaux. Et pourtant, toutes les copies réalisées avec les différents types de pigments ne résistèrent pas au temps. L'atmosphère de Tepeyac finit d'altérer les couleurs et les tuniques. En 1975, le docteur Eduardo Turati réalise d'autres observations, là où le tissu est déchiré. Il faut savoir que la tilma a par exemple été découpée pour pouvoir tenir dans la vitre protectrice où elle se trouve actuellement. Le docteur observe que la peinture est fixée dans les fibres postérieures de la tunique. C'est-à-dire que l'image se trouve accrochée à des fibres cachées par d'autres fibres lors de la fabrication de la tunique. Pour vous prendre un exemple, c'est un peu comme si vous pouviez repeindre un mur recouvert de papier peint sans que votre pinceau ne dépose la moindre peinture sur le papier peint. En mai 1979, le professeur Philip Cerna-Callahan et Jody Brunt-Smith de la NASA se livrent à une étude de l'image au rayon infrarouge. Ils constatent l'application de pigments connus et même d'or. En fait, le pigment et cet or sont des retouches postérieures à la peinture d'origine. En effet, au cours des années, des fidèles ont essayé d'embellir la tilma. Certains ont ajouté une couronne sur la tête de Notre-Dame. Il y a eu aussi des anges dans les nuages et les rayons de soleil ont été recouverts d'or. Toutes ces modifications ont disparu avec le temps. Elles se sont désagrégées, contrairement à l'image d'origine. Sur celle-ci,
on ne peut distinguer aucun coup de pinceau. De plus, il n'y a pas de dessin préparatoire ou d'esquisse sur la tilma. Habituellement, l'artiste ne peint pas directement sur la toile ou son support, il réalise déjà une esquisse de façon à avoir une ligne directrice de son œuvre. Mais ici, rien n'a été décelé. Les chercheurs vont également constater une forme d'iridescence des fibres sur laquelle se trouve l'image. L'iridescence, c'est la propriété de certaines surfaces qui semble changer de couleur selon l'angle de vue ou d'illumination. Par exemple, une bulle de savon, les ailes de certains papillons, ou certains coquillages ou minéraux. Le pigment bleu du voile de la Vierge va également interpeller. En effet, il brille comme s'il datait de quelques jours seulement, alors que ce type de pigment a tendance à se désagréger rapidement en climat chaud. Le pigment rose de la robe a des propriétés extraordinaires. Il réfléchit la lumière visible, mais n'arrête pas les infrarouges. Pour subsister, il devrait donc posséder une sorte de vernis. Mais les analyses n'en trouvent aucun. Le visage de la Vierge est aussi étonnant, car les pigments jouent dans la gamme du gris profond au blanc brillant. Comme nous pouvons le constater au travers de ces différentes expériences, la peinture qui représente la Vierge interpelle à de nombreux égards. Sa réalisation pose beaucoup de questions et offre peu de réponses. Mais il reste encore des choses totalement stupéfiantes à découvrir. Ainsi, dans la prochaine vidéo, nous allons dévoiler un des plus grands mystères de la tunique, les yeux de la Vierge de Guadeloupe. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à faire découvrir les prodigieuses propriétés de cette relique sacrée en partageant la vidéo. Et si vous souhaitez laisser quelques paroles constructives en commentaire, soyez les bienvenus.